D'accord, c'est le match avec un tir qui, je pense, a touché le poteau à l'extérieur du filet. Et Montour qui jette les gants avec qui? Je ne vois pas bien ça, Brendan Gallagher. Bon, voilà. Bon, ça, c'est un petit peu. C'est pas nécessairement qu'on l'approuve. Ah. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un geste de Gallagher qui dit à ses coéquipiers, écoutez, c'est gênant un peu, là. C'est inacceptable. Je vais en profiter pour saluer le travail là, de l'officiel. Je ne sais pas c'est quel, celui qui est là en ce moment des deux. C'est Steve Cozzeri parce que, évidemment, en formation et en expérience, c'est pas le travail des arbitres de venir séparer les combats. L'ont fait. Et Montour, c'est un dur. On sait que Gallagher ne reculera pas. Là, on ne sera pas surpris personne. Et c'est clair que Gallagher passe son message, pas juste aux Panthers. Il passe à ses coéquipiers surtout. Et moi, je pense surtout. Exact. Oui. En voulant dire, c'est inacceptable. Parce que là, on peut toujours dire, ben, les Lightning étaient reposés, les Panthers sont reposés. On comprend là, que les équipes adversaires vont reposer. Et... toute la séquence là, de Gallagher. Ouais, c'est sûr que le geste de Gallagher est assez sur moi. Merci là, à tenter de... Bon, ça, je là. En direct, là, en temps réel, je ne l'avais pas vu. Là, essayer de couper les jambes, là, de frapper dans les genoux... Je ne l'aurais pas apprécié non plus, alors je comprends un peu mieux la suite des événements dans le cas de Montour qui, lui, trouvait que la mise en échec n'était pas acceptable non plus, mais ben, c'est ça, Brendan Gallagher. Ben, il y a la frustration qui monte. Ouais. Ce soir, on a vu des vétérans qui montaient en frustration. Anderson, toute la soirée, a cherché Goudas. Edmondson. Joel Edmondson. Là, Gallagher est son retour. Ouais. Mais Marquis.